Voilà, donc tu te fais payer. C'est la période cyclonique. Tu te fais payer. Bah écoute, c'est toi qui l'as dit. Hein. Il faut pas dire, tu peux pas aller ici là, sans janvier, maman, il y a un nom, on dit pas ça. Hein. Voilà. Bon, bah, m'espère qu'on la ramène. C'est tout. M'espère qu'on la ramène des lentilles pour nous, hein. Ben écoute, on a ramené des lentilles pour pas sûr, parce qu'on les mis à mi, donc on a. On gagnera pas, on n'aura pas le temps de goûter, Dani. Voilà, c'est ça. Anna a été virée. Moi, on a ramené des lentilles, en tout cas, on a fait, on a ravitaillé en moins en lentilles de Slaos. Donc, voilà quoi, franchement, et en plus, ils permettent aussi de faire vivre, parce qu'on n'a pas fait une période assez spécifique, bon, tout le monde y connaît maintenant. Et ben, les producteurs ont besoin de refaire un autre un petit peu. Et ben, elle est contente d'avoir participé aussi à ça. Donc, bah effectivement, parce que c'est voilà, une période quoi. Difficile quand la même pour les producteurs locaux. Oui. Aussi, et il y avait pas mal de monde aujourd'hui. Donc on était quand même contente. Donc dans les respects des gestes barrières, bien évidemment. Tout le monde était bien masqué, etc. Donc voilà, il n'y avait pas non plus fou pour dire que voilà. Très bonne organisation également. Donc, et les producteurs étaient là. Et franchement... il faut soutenir Bana, quoi. Oh oui, voilà. Ça va pas être évident ces derniers mois-là. Voilà, c'est pas évident pour tout le monde, mais si on peut apporter un petit peu notre pierre à l'édifice pour aider chacun, donc voilà. Tout à fait. C'est bien. Il le faut. Dani. Oui, qu'est-ce non, mais Dani, Plania, non, mais fais non, mais pas écoute, attention. Mais alors, non, c'était... Dani, pas lent, pas bonné. Non, c'était la rubrique, non, mais la rubrique, la note culinaire. Non, 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 parce voilà. Que Dani... La note culinaire avec Annelle. Voilà, c'est fini. Hein. Dani, connais quoi hein, quand on a Mona Pocosella, elle est pendue sur son téléphone. Parce qu'il n'a de réglage pour faire, n'a de monde pour appeler, n'a Facebook pour guetter. Ouais. Tu vois, non. Tu vois, ben, hey, attends, quoi. Mais c'est le seul gars qui travaille ce soir. Hein. Ouais. Attends. Oh là là. Ouais, où l'on travaille, mais apparemment, on l'a bien mangé aussi, parce qu'on a vu ce type là. C'est clair. Facebook, il n'est pas rien. Oui, il occupe pas moi, mais il occupe pas aussi. Hein. Mais quand Oya m'occupe, les gars. Voilà, c'est ah oui, l'animation. Il est à Miami ou il est en Floride. Ah non, on m'a jamais dit, mais t'es en Floride, mais t'es à Miami. Ben, je sais pas quoi, mais à chaque fois, on est dans un pays en Amérique et moi, les morts de rire à chaque fois. Mais l'effet esprit. L'effet esprit. Oui, non, mais écoute. Alors, moi, alors on n'est pas Annel, là pour faire train, hein. Annel, continue, hein. Juste avant, on a fait les off. On a fait les off d'Annel. Ah. On a fait les off d'Annel. Et les off, c'était sur moi? Oui, c'était sur ah, toi. Ah, ça. Ok, bon, mais ça écoute le replay parce qu'il n'y a vous rien qu'on n'a pas écouté, mais. Mais ça écoutait parce que là, bien sûr, on l'occupe à moi encore. Hein. Effectivement, c'est... alors, petit indice, c'était lors de l'essayage de ce mercredi d'ailleurs chez Mel Boutique. Oh. Non, mais comment on a pu faire un off? Non, mais Luna, enregistre à nous au magasin, oh s'il te plaît. Non, mais. Moi, à non, un moment donné, moi, désolé, Dani, mais ça porte plainte. Ah, ben, si on veut. Dani, mais il n'est pas possible. Là, vous portez plainte à la personne. Non, c'est pas pour ça. On enregistre à nous à notre insu. Non, 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 non. Alors, c'était chez Mel Boutique, d'ailleurs, hein, l'an de l'essayage. Et donc. C'est un gros coucou qui est super sympa. Mais non, mais c'était des choses sympas. C'est quand on dit comme ça, oui, bon, on n'a pas dormi hier soir, voilà, faut pas chauffer à haut. Oh non, mais je me rappelle même plus que ça m'a dit ce soir-là. Ah ben voilà. Si, moi j'ai dit pour qui lui prend lui. Ah, pour qui lui prend moi, voilà. Voilà. J'adore cette émission. Oh, mais Dani. Alors, Dani. Inquiète pas, hein, la semaine. Je casse ma carrière avant de commencer. Non. C'est comme ça. Non, la carrière elle est déjà bien lancée. Mais oui. Ah. Non, alors, on vous rappelle. Non, mais Dani, mais t'écoutes le replay, hein, il n'est pas possible. Hein. Si tu veux. Oui. Ou enregistre de Mouna à son insu comme non. Ça. Non, alors, c'est. Alors. Oui, ben ça. Alors, il faut bien que quand nous ça fait les essayages chez Mel Boutique, il faut bien que voilà, Nadia. Sinon ça, il faut voilà, sinon ça, ben l'émission, il faut trouver des nouveautés. Mais attends pas moi que même chez Mel Boutique, on avait enregistré à nous. Ah bah oui, mais ah non, mais moi non plus, hein. Bah là, oui, bah, tout le monde est étonné ce soir. Même moi, mais dit bon bah écoute, on va faire des off. Hein, comme la Candani, il est là, faut vérifier son téléphone avant de causer. Non, mais sérieux, mais ça peut causer du tout quand Dani là. Quand il est là, là, mais ça fait ma bouche, mais ça. Non, mais franchement, il faut arrêter là, le gars. Ah, bah écoute, il faut bien occuper, il faut bien avoir des rubriques inédites dans cette émission. Vous utilisez à nous, quoi, en gros. Non, mais chacun a une. Alors, tout le monde a une rubrique sauf moi, donc voilà, c'est des off.
Ouais, bah en même temps, on utilise à nous pour faire une rubrique, quoi. Bah donc, oui. Non, mais il fallait bien voilà, que sa rubrique, fallait bien que sa rubrique, c'était occupe de moi. Hein? Fallait bien qu'autre rubrique d'Annie, c'était. C'est quoi? Maintenant. Allô. Ouais. Oui. Tu dis quoi? C'est pour ça qu'on entoure Raoult des quatre formes là. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Ah, j'adore. Hein. De toute façon, il fallait bien que sa rubrique s'était occupée de moi. Quand t'as retourné la route de flamme pour voir. J'adore qu'Annelle s'énerve. Alors, Annelle, on a une surprise pour toi. D'ailleurs, pour le 6 décembre, tu seras hypnotisée. Donc, j'adore. Bah, elle le sait déjà. Hein. Ça m'étonne pas, hein, parce que moi, on est toujours là pour aller. Comment aller à l'abattoir. Hein. Carrément. Carrément. Alors, tu ne seras pas tout seul d'ailleurs, parce qu'on aura deux autres personnes avec toi. Normalement, si Banal est réceptif, quand même. Ah. Voilà. Alors, on salue quand même. Hein. Alors, Annelle, est-ce que vous reconnaissez Richie? Pardon? Est-ce que vous reconnaissez Richie ou. Richie? Oui, ou Rocco. À l'hôtel Floralis. Ah. Oui, on reconnaît. Pas. Ça te parle? Oui, oui. Bon, voilà. Bon, parce que oui, là, dit tout. Parce que tout le temps, il dit. Tout le temps, il dit. Oui, tout le temps, il dit. Comme ça, des Mad Jam, tout ça là. Alors, est-ce que ce soir, on va faire un album? Ah! Bah, attends. Non, mais il aime trop gagner, lui. Votez-le, pas voter. Qui ça? À moi? Non, mais il aime trop gagner. Il casse la blague. Déjà, on entend pourquoi on lui a dit. Il veut l'album. Ah, bah, il connaît pas, moi. T'as un album à moi, t-shirt. Donc, mais essaye d'éviter un album. Ah. On verra, je réfléchis. Bon, Réti, vous gagnez l'album d'Annelle ce soir. Voilà, c'est gagné. Hein? C'est gagné, Yasama, oui, oui. Oui. Bah, pas... Elle dit ou pas sa case. Ah, mamie, connaît pas, moi. Et depuis t'as l'air, t'as l'air. C'est des connes, si moi. Allez, 20h37. En tout cas, merci Annelle pour ce soir. Et puis, on te retrouve au-dessus de la télé. Merci pour le petit appel, hein. Ça fait plaisir. Et bonne soirée à Zot. Et gros bisous à toutes les PS1. Suive à nous. Bah, voilà. Merci. On te retrouve le 8 novembre. Bisous. Pour la note culinaire. Merci. Allez. Bisous, bisous. Allez, bye-bye. Allez, bye-bye. Bye. Allez, 20h38, en tout cas, on fait une petite pause, on revient avec la rubrique culinaire. Non, la rubrique Tropical Girl. J'aurais pas fini à 21h, je te préviens. Ah, bah, il faut finir à 21h. Juste une petite pause. C'est bon? Bah, là-haut. J'adore ce son, d'ailleurs. Et danse, Vanny. Tu connais les pas? Tu connais les pas ou pas? Non, je connais pas les pas. Bah, faut apprendre, hein. Jerusalem, Ikayalami, Bilondoloze. J'adore ce titre, Leslie. Hein. Moi aussi.
Leslie qui va danser pour vous ce soir. En tout cas, la rubrique Tropical Girl, c'est maintenant sur Créole FM. Et qui va nous parler justement de Halloween. Ah oui. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Coucou les girls, j'espère que vous allez bien ce soir. Encore une fois, Dani me met en retard. Comme d'habitude d'ailleurs. Et voilà. Avant que commence, on va lire les commentaires sur le Facebook Live. D'ailleurs, donc bonsoir à toutes. C'est Josine, Patrice qui dit bonsoir à toutes également. Donc salut bonsoir également pour les personnes qui regardent le Facebook Live. Eh oui, évidemment. Donc moi ce soir, Dani, comme je te le disais, encore une fois, je vais faire une petite rubrique un peu différente. Voilà, c'est ce que je fais d'habitude. Et là, en fait, moi, pour cause écoute, mais écoute pas moi, pour garder le téléphone, pour faire réglage, je sais pas quoi. Si, je t'écoute là. Je non, écoute pas moi. Si, je t'écoute là. Allez, vas-y. Et en plus, il déteste ça. Ah oh, quoi les fins à où ces derniers temps. Faut pas contrarier, moi. Non, mais baguez bouton dans les yeux. Bon. Allez, je t'écoute. Oui, donc je vais parler un petit peu d'Halloween et des différentes façons de fêter d'Halloween, de fêter Halloween dans différents pays. T'es Daniel fatigué, moi t'es. Non mais les bons, on peut aller, voilà. Okay, laisse-moi tout seul. Les bons, je me barre. De toute façon, c'est du pareil au même hein, avec toi. Hein, bon. Tout seul ou devant moi, il ne change pas rien. Donc je vais parler d'Halloween, ok? Parce que bah voilà, c'est un jour qui approche. À grands pas, comme vous le savez. Donc, dans une semaine, eh bien, la fête connue comme étant la fête la plus terrifiante du monde se célébrera sur tous les continents. Eh bien, afin de marquer l'événement, de nombreux pays ont décidé de le personnaliser à leur façon, en faisant des courses de citrouilles, des concerts vaudou, des défilés de zombies. Avec un lac hanté, par exemple. Donc, voici, on va dire, sept façons différentes de fêter Halloween dans sept pays différents. Et si vous vous trouvez dans l'une de ces villes, lors du jour J, eh bien, ne manquez pas de participer, bien sûr, à la célébration. Donc, première ville, Nouvelle-Orléans, aux USA, qui célèbre... Halloween, on va dire, avec ce qu'ils appellent Vaudou Music Experience. Donc chaque année, au moment d'Halloween, le vaudou refait surface et plonge la ville dans une ambiance mystique, le temps d'un week-end. Les balcons se couvrent de toiles d'araignées, les places se remplissent de marchés d'objets étranges, les rues sont envahies par des monstres et sorcières, et les bars s'emplissent de musique vaudou, pour le plus grand plaisir des habitants. Et vous aussi, eh bien, laissez-vous ensorceler par les sons incantatoires des artistes rock et jazzy vaudou, si vous vous y trouvez. Deuxième endroit, Hawaï, Polynésie. Alors, eux, ils ont ce qu'on appelle la lagune hantée. Donc, la tradition préférée d'Halloween sur cette île de rêve, c'est l'exploration du lagon en canot, à la recherche de la maison hantée. Et tout cela dans la complète obscurité, créatures sortant de l'eau, bruits étranges, dangers proches, des animations terrifiantes et originales sont prévues tout au long du parcours afin de vous faire passer une soirée d'enfer. Frissons garantis. Donc un conseil, évitez le bain de minuit cette fois-ci. Tokyo, au Japon. Alors, eux, ils ont ce qu'on appelle le manga Halloween. Alors, évidemment, hein, on est au Japon, hein, donc ils sont fidèles, ils restent fidèles à leur culture manga. Donc, les Japonais fêtent Halloween à leur façon et particulièrement à Tokyo, où la fête bat son plein. Costumes de yokai ou cosplay, revisités, le sang, les visages vampiresques, la musique électro, tout est bon pour célébrer la fête des morts en version jeu vidéo. Donc de quoi vous faire sortir vraiment du réel. Quatrième endroit, Brisbane en Australie, avec le défilé des zombies. Voici l'événement idéal pour tous ceux qui sont tombés du lit après avoir trop festoyé la veille. Pas besoin de faire d'efforts intellectuels.
simplement restez en pyjama, la laine fétide et le cheveu gras. Puis barbouillez-vous de peinture rouge sang. Et voilà, vous êtes prêt à rejoindre le troupeau de zombies des rues de Brisbane qui, chaque année, tente de battre son record de zombies. Et pour la bonne cause, bien évidemment, puisque les recettes du défilé sont ensuite reversées à une association caritative qui lutte contre les maladies du cerveau. Cinquième endroit, Mexico, au Mexique, avec Hearts and Crafts. Donc au Mexique, Halloween est l'occasion de vénérer les morts et non pas de les imiter. Donc les habitants confectionnent pour l'occasion toutes sortes de petits objets qu'ils iront déposer sur les tombes de leurs proches disparus, ajoutés évidemment à des offrandes comme de la nourriture, des fleurs, etc. Et le rituel se termine par des danses et des chants. Le sixième endroit, c'est New York, aux États-Unis, des citrouilles carrosses. La World Famous Pumpkin Race est un événement incontournable pour tout Américain qui se respecte. Chaque année, Manhattan Beach à New York donne l'opportunité à quiconque disposant d'un trop-plein de citrouilles et une bonne dose d'imagination de transformer les emblématiques légumes oranges en de véritables bolides à roulettes. Le concept, eh bien, les citrouilles sont lancées sur une route pentue jusqu'à la mer où se trouve la ligne d'arrivée. La compétition se termine en fou rire évidemment et en dégustation de pumpkin. Ça, c'est logique, ça tombe sous le sens. Sous toutes ses formes, bien sûr. Et septième endroit, alors c'est Sighisoara, j'espère que je le prononce bien, en Transylvanie. Le retour de Dracula. Chasse aux sorcières. Fête médiévale dans les châteaux alentours, rue décorée dans un style macabre, l'esprit du comte Dracula sommeille éternellement dans la ville de Sighisoara en Transylvanie, d'où provient le mythe du vampire le plus célèbre de tous les temps. Donc si vous sillonnez les ruelles pleines de brouillard à la tombée de la nuit, veillez à emporter vos gousses d'ail et votre pieu. Et maintenant, je vais vous parler de 5 destinations pour aller fêter Halloween comme il se doit. Parce qu'il y a des pays où Halloween est fêté, on va dire, beaucoup plus célébré que dans d'autres. Donc, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, eh bien, les morts viennent faire un petit tour dans notre bon vieux monde de vivants, histoire de prendre quelques bières et de se foutre un peu de nous. Pardon, en voyant nos visages pétrifiés de peur. En tout cas, c'est le concept, à peu de choses près, de cette fête anglo-saxonne qu'est Halloween. Donc même si Halloween s'installe de plus en plus en France, en tout cas dans les pubs anglais et irlandais, le must pour découvrir cette fête hors norme est encore, eh bien, de voyager. Voici donc 5 destinations à ne pas louper pour célébrer Halloween en grande pompe. Première destination, Dublin en Irlande. Rien de tel qu'un retour aux sources pour Halloweener à donf, comme on dit. Ce seraient les druides celtes qui auraient lancé le mouvement avec la fête du Samhain. Le 31 octobre, date correspondante à la fin d'un cycle. Et cette fin de cycle et le début d'un autre auraient été un moment propice pour la rencontre des deux mondes, celui des vivants et des morts. Rien d'étonnant donc qu'à Dublin pour Halloween, on assure, ça fait normal, un peu plus de 3000 ans qui s'en occupe. Donc il y a grande parade de Samhain le soir du 31 octobre, feu d'artifice, etc. Tout Dublin danse dans les rues, déguisé en petits démons et autres morts vivants. À ne pas louper non plus le château de Malahide, hanté par pas moins de 5 fantômes, rien que ça. Deuxième destination, la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Comme vous le savez, les Irlandais, les Gallois et autres Écossais
émigrant en masse aux États-Unis, ont aussi importé leur culture et donc Halloween au 19e siècle. Et Halloween aux États-Unis, oui, comme je le disais, c'est quelque chose. Hein. Donc, alors pourquoi ne pas aller faire un tour dans la ville la plus française des États-Unis, c'est-à-dire la Nouvelle-Orléans, avec sa culture du vaudou, la capitale de la Louisiane sait fêter Halloween au son des jazzman et dans une ambiance de dingue. Les sites les plus visités là-bas, eh bien, ce sont les cimetières des marais. Ça veut tout dire, non? N'est-ce pas, Dani? Il me fait exprès cause avec lui parce que là, il s'est paniqué, il s'est assis, ça met son masque et ça répond à un madame micro. Voilà, coucou Dani. Oui, oui, n'est-ce pas si, oui, tout à fait. Tu as vu comment je te connais, trop bien. Oui, parce que tu parles de vaudou. C'est ça, hein? Oui. Pas vraiment, non. Si. Là, je suis en train de parler des différentes destinations. Oui, mais juste avant, là, je parlais de vaudou, je sais pas quoi, là. Oui, c'est donc ça. Là, on a dit Dublin, la Nouvelle-Orléans. Ensuite, on enchaîne avec la troisième destination qui est le pays de Dracula, la Roumanie. Donc là-bas, c'est tout le temps Halloween pour eux, en fait. Canine acérée, teint pâle, cape noire. Eh bien, offrez-vous un petit séjour Dracula en pleine Roumanie, au pays de Dracula, les Carpates. Plusieurs agences organisent régulièrement des tours dans cette région mythique. À Sibiu, superbe ville médiévale. Bistrița et sa région à cheval entre la Transylvanie et la Moldavie. L'hôtel Château de Dracula, construit sur les ruines du véritable château du comte. D'ailleurs, c'est là que Coppola a tourné son Dracula. Quatrième destination, à New York, aux États-Unis. Alors oui, effectivement, on pourrait ressortir New York pour toutes les fêtes, hein, comme par exemple le Nouvel An, etc. Mais bon, ce n'est pas une raison non plus pour oublier cette grande ville, donc on appelle la Grande Pomme, pour la fête des citrouilles. Là-bas, c'est d'abord une fête pour les enfants. Et des ateliers sont organisés pour les petits dans les quatre coins de la ville toute la soirée. Eh bien, rassurez-vous quand même, les adultes ne sont pas en reste puisque l'un des plus beaux défilés d'Halloween se déroule toute la soirée du 31 octobre sur la 6e avenue. New York organise même le Festival international du film d'horreur tout le mois d'octobre. Et enfin, dernière destination, le Mexique. Oui, ce n'est pas tout à fait Halloween qu'on fête au Mexique et dans le monde latino-américain. Mais c'est le jour des morts, hein, le 1er et le 2 novembre. Et l'idée, comme je le disais un peu plus haut, est de vénérer les morts pour ne pas les oublier. Donc le 1er novembre, lui, va être dédié aux enfants et le 2 aux adultes. Mais question faite, le jour des morts est coloré et animé là-bas avec des fleurs, de la musique, des danses, des crânes. Les symboles sont nombreux en fait et les pétards explosent à tout va. Ay caramba, comme on dit, n'est-ce pas, Dani? Ah ben là, si tu dis ay caramba, il faut appeler Sonia là. Appeler Sonia, s'il te plaît. Voilà, tu as vu, j'ai fait vite parce que tu m'as stressé. Ah bon, j'étais stressé? Oui. Ah bah écoute, j'ai fait le plus vite possible. Ah bah écoute, on appelle Sonia ce soir. Ah non, mais tu vas pas appeler tout le monde, Annie. Bah écoute, c'est la vie, hein, c'est la en vie. En fait, je te suffis pas, quoi. Ah, je t'ai jamais non, dit ça. Non, je te suffis pas comme animatrice. Je suis là, mais il faut que t'appelles Anaël, faut que t'appelles Sonia. Là, tout à l'heure, tu vas me dire, ben on va appeler Yoa. Alors, non, mais c'est bon. Hein. Yoa, ça fait un beau moment. On va se calmer un peu là, Dani. Ah, je te vois pas, c'est normal. Oui, c'est parce que tu veux pas me voir. Il y a un vide transparent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, la crise Covid oblige. Hein, oblige, ouais. Ouais. Même, oui, bah, écoute. Hein, voilà. M'avait des commentaires tout à l'heure donc, sur oui. Le Facebook Live de l'émission. Alors, attends, deux secondes. La rubrique a fini en fait? Oui, ça y est, les girls. Bon, ben voilà. Hein, comme d'hab, j'ai voulu sortir un peu de ma routine avec cette petite rubrique. J'espère que ça vous aura plu. Hein, parce que, bah, évidemment, Halloween, c'est dans une semaine. Donc voilà, je sais qu'à La Réunion, c'est pas une fête qui est très célébrée. Enfin, moi, comment je l'aperçois personnellement, c'est à La Réunion, on se maquille, on se déguise et puis on va en boîte, quoi. Voilà, pour moi, c'est comme ça qu'on fête Halloween à La Réunion. J'ai pas d'autre image de la fête d'Halloween ici, alors que voilà, on voit très bien que dans les autres pays, c'est complètement différent. C'est ça, tout à fait.
Donc voilà, ben j'espère que vous avez pu apprécier cette petite rubrique. Et puis je vous dis à bientôt. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Lâchez-vous en direct avec Dani et toute son équipe. Allez, en direct de l'hôtel de Floralis, dans un instant, le direct à la télé d'ailleurs. Yeah. Chotara Creole et Creole FM. Et Mivalia quand même les standards. Enfin, les standards. Les standards. Non, Mivalia. Les messages. Bon, les messages. Voilà, si tu veux appeler, c'est le moment également. 06 93 488 996 pour les appels. Shirley qui dit salut famille amis, je vous embrasse fort. Un coucou à de Canada, c'est trop top. Ah, bisous. Coucou le Canada, c'est super. Yann RG qui met des flammes également, donc on salue Yann. Salut Yann. Et Stéphanie qui dit yep. Voilà, en tout cas. Yo. Pourquoi yo? Bah, elle dit yep, je dis yo. Bon, en tout cas. si on veut, en tout cas, bon, voilà. Et tu vas faire quoi pour Halloween d'ailleurs, Leslie? Qui ça, moi? Ah bah, je vais rester chez moi dans mon lit. Qu'est-ce que tu racontes? Mimanita, soit un bonbon, soit un sort. Bah, ce sera un sort pour toi. T'es méchant quand même. Bah, Leslie. Oui, je sais, c'est ma seconde nature, donc c'est, je peux pas m'en empêcher. Bah, oui, tout à fait. Bah, oui. Tu peux pas t'en empêcher quand même ce soir. Non. Eh ben, non. Si ça, tu vas appeler, ça se passe sur le 06 92 170 872. 06 92 170 872. Petit rappel quand même pour dimanche prochain, donc ne fais pas l'émission, nous fais un petit respect pour le dimanche 1er novembre. Et nous sera de retour donc le mercredi 4 novembre, donc en direct à la télé également, donc c'est sur Créole et Télécréole. Et puis le dimanche 8, voilà, l'émission, au lieu d'avoir lieu le dimanche 1er, elle aura lieu le dimanche 8. Voilà, donc le 8 novembre. Donc, nous aurons Alexandra Musin qui sera avec nous. Ah, chouette! Voilà, donc, parce que dans son petit morceau là, il vient de sortir un petit morceau. Oui. Il s'appelle En Frère, justement, que vous avez à découvrir. Oui, oui. En tout cas, il y en a pas mal beaucoup de retours positifs sur ce clip d'ailleurs. Mmh. Donc, comme elle a vu, il est très très original quand même. Il est très très travaillé. Et nous va en parler justement donc lors de l'émission du 8 également. Donc apparemment, il vient avec un guitariste. Ah, encore mieux. Encore mieux. Voilà. Donc ce sera le 8 également. Donc le jeu Objet Mystère. Donc il sera, enfin, le jeu Objet Mystère. Donc à partir de 20h56. Donc, oui. Dimanche 8 novembre. Donc on a deux nuits d'hôtel à gagner. Oui, donc à vos claviers. Hein. À vos claviers. Donc nous va rappeler tout à l'heure donc en télé. Hein. Voilà. Et également donc la note culinaire justement donc avec Anaël. Donc le 8. C'est ça. La rubrique danse avec Sonia également. Oui. Et puis donc au Make-up Axo propose. Bon, je sais pas encore. Alors, je vais y réfléchir. Néna, une nouveauté dans cette émission d'ailleurs en partie du 8. Nous aurons une personne qui sera testeuse. Elle va tester des choses avec nous. Ce n'est pas moi. Ce je n'est pas toi. Je préfère le dire. Ce n'est pas Leslie, mais il y aura un nouveau visage que voilà. Je vais pouvoir. C'est un nouveau visage. Voilà. Et puis donc l'émission sous hypnose, l'émission très attendue des auditeurs et des auditrices, soi-même téléspectateurs et alors, téléspectatrices. Alors, tu sais quoi, c'est marrant parce que les gens ils attendent beaucoup de voir cette émission. Ils aiment bien, mais par contre, quand tu leur proposes de le faire, de tester l'hypnose, et ils veulent pas. Ah non non, c'est pas pour moi. Moi, je fais pas ça. J'ai peur. Mais voilà, c'est bizarre, hein. Comme quoi, les gens, ils sont captivés par ça d'un côté, et de l'autre côté, ils osent pas le faire en fait. C'est bizarre. Mais nous aurons quand même deux visages. Deux nouveaux visages dans l'émission. Visages. Alors oui, parce que Dani, quand même, il assure ses arrières. Oui. Vous comprendrez pourquoi dans quelques temps. Oui, dans quelques temps, vous comprenez pourquoi. Voilà. Justement, ces deux personnes-là. Normalement, on a deux personnes qui vont tester justement pour l'émission sous hypnose. Donc c'est une émission que mes kiffs d'ailleurs. Donc voilà. Ah mais oui, mais ça c'est. Moi je trouve que c'est une très belle expérience à vivre, sachant que Thomas Arsens. Il respecte parfaitement le protocole, on va dire, d'hypnose. Voilà. Ouais, c'est ça.
fait un petit coucou. On va dire ça comme ça, hein. Il le respecte parfaitement. Donc on lui fait un gros coucou et puis ben on a hâte de le revoir dans l'émission en décembre. Voilà, donc le 6 décembre, mais juste avant, donc il fait une formation d'hypnose également. Donc si tu veux devenir hypnotiseur du spectacle, pour justement hypnotiser les gens, ça tu peux contacter Ali, hein. Donc il fait passer un petit peu quand même ça. Ah bah quand même. Tu as raison. Sa promotion quand même. Donc, vous êtes contact Ali sur sa page, donc Thomas Hansens Hypnose. Voilà, donc à retrouver également donc tous les infos. Oui. Quand même sur sa page. Également donc le 6 décembre. Donc si tu veux tenter l'expérience, tu appelles hors antenne. C'est là que tu vas te retrouver en fait avec 20 personnes. Non mais les faisables. Bah, après pas tout le monde est réceptif. Bah après on pourra pas. On va dire entre guillemets sanitairement parlant accueillir 20 personnes sur le plateau. Impossible. Mais peut-être 10. Non, mais éventuellement. Ouais, mais 4 personnes maximum, allez. Mais pourquoi pas, après ça ferait ça changerait en fait de ce qu'on a pu vivre la dernière fois. Ouais. Ouais, ça changerait. Mais déjà quand même une petite idée ce qui va arriver sur l'émission. Ah là là. On va pas vous dévoiler tout. Moi, je suis déçue parce que je peux pas le faire là. Je peux pas le faire cette fois et j'espère juste que j'aurai l'occasion de le refaire. Oui, l'année prochaine. Oui. N'inquiète pas. De toute façon, on essaie de faire deux plateaux d'hypnose, hein, chaque année. Donc, nous va voir. Oui. Mais bon, si ça tu veux appeler, ça sera sur le 06 92. Donc, si ça tu veux tenter l'expérience d'hypnose, 06 92 170 862. 06 92 170 862. En tout cas, moi, je veux bien voir l'équipe de la radio créer les fins d'être hypnotisé. L'équipe en entier, même toi. Maman, mais il n'est pas réceptif. On l'a bien vu l'autre fois. Non, mais il faut arrêter cette histoire de je suis réceptif, je suis pas réceptif, hein. On est réceptif si on le veut bien. Faut arrêter, Dani, oui, tu le veux pas. Si tu le voulais, tu le serais. Bah écoute, moi aussi, si j'ai pas envie d'être réceptif, je le suis pas. Enfin, comme tout le monde. Écoute, maman est près de toi. Ma maman, elle est toujours près de moi. Bon, c'est bon, allez, tu te calmes. Dans un instant, le Bipos, le direct à la télé d'ailleurs. Oui, parce que j'en ai marre. Oh là là, moi aussi. J'en ai marre de toi. Également, Leslie, on va te retrouver donc le mercredi 4. Ah bon? Oui, oh là là. On peut plus blaguer avec toi. Hein. Non, tout de suite, dès qu'on blague, là, tu paniques. Mais oui, je panique quand même. Hein. Faut pas. Voilà. Donc, le 4, nous aura Sunstank qui sera avec nous. Donc, oui. Qu'elle a été décalée justement pour le mercredi 4. Et le mercredi 11, donc, c'est férié. Hein. Mais on fait quand même l'émission, justement, le mercredi 11. Okay. Et puis, donc, le 18, le 25, d'annuler. Hein, donc, oui, voilà. Bah oui. Et puis, donc, le mois de décembre, quand même, mois de décembre. Ah oui, moi j'espère vraiment qu'on pourra quand même profiter des fêtes quoi. Et justement, mois de décembre, c'est les fêtes, hein, donc je serai habillé en mai Noël. C'est ça? Moi je serai habillé en baleine de Noël si tu veux, y'a pas de problème. C'est pas moi qui l'a dit. Mais hein. Mère Noël, ça va être compliqué. C'est pas moi qui l'a dit en tout cas. C'est pas moi qui l'a dit. C'est pas moi qui l'a dit, Leslie. Mais bon, voilà, peut-être, oui, nous fait un petit truc le 6 décembre, hein, en mai à Noël. Mais oui, ou alors on sera tous habillés un petit peu couleur festive, vert sapin, rouge, avec des paillettes, voilà. On arrive des paillettes, là. Les petits, tu sais, les bois de Rennes, là, ça peut être sympa aussi, ça, non? Non? Oui, peut-être, ouais. Ouais, avec ta chevelure blonde, ça peut le faire. C'est ça. nous l'est en direct à la télé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir La Réunion. Comment il est? Vous allez bien? Tranquille? J'étais encore une fois en train d'embêter Dani, mais ça, tout le monde a l'habitude. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. Créole FM. Créole FM. Dani, Anaël, Johanna, Leslie, Sonia prennent les commandes sur ta radio, mais également sur ta télé. Allez, c'est toi Leslie qui commence. Ah non, pas du tout.
Allez Leslie, non. Allez, souhaite la bienvenue en tout cas sur bonsoir la télé. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes les bien à soir. Nous oui, évidemment. Alors aux commandes ce soir. C'est Leslie, bien évidemment. Nous avons Dani. Bonsoir Dani. Coucou, comment Leslie. Vas-tu? Ah, c'est la première fois que j'attends une intro comme ça. c'est la première fois de ma vie mais j'ai un intro comme ça en télé. J'adore. Surtout venant Leslie. J'attends venant Leslie, s'il te plaît. Hein, bon. Ah, écoute, ça va très bien ou même moi, ça va très bien aussi. Hein, en plus, dans un superbe cadre. Donc tout va très bien. Moi, je ne te vois pas trop, mais je vois oui, l'invité bah, du jour. Oui, je sais. Non, mais en fait, tu essaies de me faire croire que c'est pas de ta faute si tu ne me vois pas. Mais c'est toi qui te caches derrière ton ordinateur, là. Mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. C'est j'ai la configuration. J'ai compris hein, que tu m'aimais pas. Si, je t'aime. Fais gaffe à ce que tu dis quand même. Non, mais amicalement. Mais... Oh oui, je plaisante, Dani. Oh là là. Zen. Attends, je vais manger les jaunes, hein, parce que là, c'est bon. J'en ai marre. Je vais protester. Ah non, tu vas pas commencer tes jeux de mots déjà. Si. Ça va, l'invité du jour hein, qui s'appelle Tikrim. Comment il est, Dani? Comment il est, Leslie? Ça va bien? Ben, ça va super. Moi, hein. Ouais, c'est cool. Okay. Alors, est-ce que vous rapproche juste un petit peu de micro, s'il te plaît? Oui, m'a fait ça. Oui, bonsoir, ça va très bien, ça va très là, bien. Là, elle est bon, là, elle est mieux, là. Ah, voilà. Là, elle est mieux. Là, elle est bon. Bon, en tout cas, bienvenue, hein. Merci. Bienvenue chez moi, même si mais pas chez moi, mais bon, voilà. Oui, ouais, précise qu'on n'est pas chez vous quand même. Parce que... bah, et ben. C'est ça, hein. Donc, à l'hôtel Floralis, d'ailleurs, donc, voilà. Et avec Leslie, que vous connaissez, hein, depuis tout à l'heure, t'en blagues sur moi. Ouais. Entendu ça. Voilà, donc voilà, et connais, mais ça m'a mangé les jeunes à un moment donné. Ah, mais va falloir parce qu'il faut manifester pour la bonne cause, on va dire. Voilà. Les jeunes ont les cheveux jaunes, déjà bien. Et, on aussi, peut manifester si on veut, je ne change pas rien. Dis comment c'est que mon cheveu jaune. Ah, c'est pas moi hein, cette fois. Hein. C'est bon, je me casse. Bon, en tout cas, soyez les bienvenus. Si ça, tu peux passer des messages en direct à la télé. 06 93 488 996 également. Donc, si ça, tu veux texter. 06 92 170 862. Et le prénom, c'est. Alors, mon prénom, c'est Johan. Johan. Alors, par quoi m'y commence? Par un autre prénom ou m'y appelle au nom d'artiste? Comme on veut, ça que l'arrivée en premier. C'est de l'arrivée en premier. Ouais. Bah, d'ailleurs, nous va voir justement bah, pourquoi Tikrim d'ailleurs. Donc, pourquoi cette. Ouais, en fait, c'est la première question. Qu'on se pose. Oui, ouais. Voilà pourquoi. Parce que du coup, est-ce qu'il y a une signification donc, Oui, oui. Alors en fait, Conte Tikrim, c'est un nom que m'y porte depuis pas mal de temps. Pour pas citer, mais c'est à peu près 25 ans que m'y a ce nom-là. Donné par rapport à des amis de mon frère et de ma soeur. Que quand t'es Timarma, il m'y traînait un petit peu avec Banna. Et du coup, les amis, ouais, il y a moins un petit peu turbulent, un petit peu. Comme un Tikrim, quoi. Voilà, comme un Tikrim, exactement. Un Tikrim, et donc, Tikrim créole, ah, quoi. Tikrim. Et donc, bah, elle a resté, il fait 25 ans qu'on a ça, et puis voilà, quoi, tranquille. D'accord. Donc, Leslie, donc moi, c'est un Tikrim, alors. Ah, ou n'a pas de mots pour décrire à où, Dani? Faudra m'y chercher. Franchement, il me va chercher un bon mot vraiment pour décrire à où. D'accord. Bon, si vous voulez, on a le temps fait ma retraite, on l'a pas retrouvé. Mais voilà. D'accord, donc c'est par rapport à ça. Ouais, ah, c'est bah, par rapport à ça, et puis elle a resté, et puis tout le monde connaît moi sous son nom-là, quoi. D'accord. Voilà. Et originaire de quelle ville? Tampon. Tampon. 87 430 nous représente. Ah, pas comme place un mot, fin de représente. Non, mais c'est, en fin de compte, c'est un petit truc que je voulais faire. Non, mais l'originaire de Tampon. Donc, ben voilà, du coup, toujours été là-bas. C'est. Pour moi, c'est la meilleure ville de La Réunion. Même s'il y en a deux, trois, il va dire ouais, nanana, mais moi, c'est le Tampon. Non, mais peut pas dire une affaire comme ça. Hein, parce que vous l'avez fait une chanson que nous va décrire dans un instant. Ouais. Qui s'appelle L'île touristique. Oui. Alors, on va revenir dans un instant, on peut pas dire. Voilà. Non, mais voilà. Alors, du coup, vous l'avez vu, hein. Ah, peut-être que Saint-Jean n'est pas. Hein, Saint-Jean n'est pas. Non, Saint-Jean, hein. toutes les villes, en fin de compte, les super à La Réunion. Maintenant, me plaisante un peu là-dessus, mais Tampon, les biens, comme pas mal de villes aussi. Donc, voilà. La Réunion en général. Voilà, c'est ça. Exactement. Bon. Voilà. Allez, Leslie. Tout à fait. 97 480 représente. Yes, ah, il y avait, elle aussi représente à côté. C'est bon, on se calme là, dans cette émission. Richie, ramène une petite bouteille d'eau, s'il te plaît. Bon, on fait quand même un coucou à l'équipe du Floralis, d'ailleurs. Mais donc, oui. Voilà, Richie qui la met super like. Équipe du Floralis.
Like. Bon, il s'appelle Richie. Richie, alors ce soir, on te fait un big dédicace en tout cas, parce que ouais. Tout à l'heure, la Zeno, comme ça, fait un big up justement au grand Richie. Il est beau. Voilà. Oui, voilà. Il voulait qu'on dise coucou à Richie, c'est le plus beau de l'hôtel Floralis. Voilà, c'est ça. Bon. On salue quand même la directrice de l'hôtel également. Ouais. En tout cas, le message est passé. Hein. Voilà, est passé. En tout cas, d'accord. Donc, originaire du sud, et il fait combien de temps que les artistes, justement? Bah, ça, artiste, déjà, c'est un grand mot. Et du coup, non, mais les, on va dire adepte de la musique, hein, m'y adore ça depuis petit. Et puis. Il fait, on va dire, à peu près 10 ans que m'a commencé à faire des petits enregistrements chez moi, tranquillou. Et puis de là, il est né quelques chansons, hein, notamment que celle dans un centre où ça a écouté, l'île touristique. C'est l'une des premières du, en plus. Et du coup, non, voilà, après, m'a toujours été, on va dire, toujours eu cette fibre musicale depuis longtemps. Et puis, ben voilà quoi. On va remplacer le mot artiste par le mot passionné. Voilà, exactement. Voilà, c'est mieux. Donc passionné de la musique justement. Voilà, il se voit plus comme un passionné, oui, que comme un artiste. D'accord. Donc le mot est trop grand quoi. Enfin, il est trop. Bah, non, le mot artiste alors, est trop petit. Ah oui, et là c'est elle qui commence à boucater après quoi. Ok, je vois le mot. Mais non. Bah, le mot passionné est plus grand que le mot artiste quand même. Richie ramène ça. Il a plus de lettres, c'est bon. Bah oui. Richie, ramène un salade de fruits pour aller, s'il te plaît. Au moins, on fait la calme. Mais non, mais après c'est chaque personne qui vit sa passion à sa manière. C'est-à-dire que certaines personnes vont se voir comme des artistes, d'autres comme de simples chanteurs, d'autres comme des passionnés. Enfin voilà, il y a. Ben déjà, si vous voulez artiste, il veut dire que vous vivez déjà, enfin, un minimum de passion. Ouais. C'est pas mon cas. Moi, je vis de mon travail dans un premier temps, et deuxièmement, ben, fait la musique et puis c'est tout. C'est déjà très bien. J'essaie de mettre ça. Oh. Ah, le jeu de mots quand même, hein. Le jeu de mots, d'accord. Et les que passionné, enfin, ou jouer aussi des instruments. Oui, alors me jouer à la base, mais percussionniste. Donc me fait tout ce qui dit, tout ça qui peut taper dessus, il fait un bruit, c'est mettre dedans. Ouais. Donc caron, congas, djembé, derbouka, un petit peu batterie, mais bon, vraiment vraiment light. Et puis voilà quoi, Joe m'aime fait le son. Après, un petit peu de clavier en ce moment, m'y apprend. Et puis de manière générale, voilà, comme je disais, t'as une affaire, s'il tape dessus, il fait de bruit, mettre dedans. Donc voilà, percussionniste. Alors pourquoi le clavier? Clavier parce qu'il permet à moi de créer des nouvelles sonorités, des nouveaux sons, notamment dans mes nouveaux enregistrements que m'y fait actuellement à la maison. Il permet à moi d'élargir ma panoplie de sons en fin de compte. Même si moi c'est pas un vrai clavier man, attention, m'y précise tout de suite. Mais il y a un début à tout. Exactement, c'est sûr. Donc voilà, après clavier, bah, il permet d'avoir plusieurs sonorités, puis d'ouvrir le champ lexique et musical. Voilà. Mm. Il a très bon vocabulaire en plus. Hein. Mais essaye de faire attention à ce que me dit, mais moula, pas facile. Les bons. Et t'as pas essayé humoriste. Ah ben pourquoi pas. Il change de version directement. Non mais il m'aime bien en tout cas. Donc Joanne, qu'elle est aussi. Non parce que pourquoi il pose cette question-là, parce que dans le futur, il veut être un grand Leslie. Alors, est-ce que on peut récupérer juste salade de fruits, s'il te plaît? Non. Non, parce que voilà. Non, du coup, moi aussi, il veut apprendre jouer de clavier, voilà quoi, des instruments. Mm-hmm. Tu vois? Ouais. Non, mais Leslie, on peut dire. Hein. On peut dire la connerie. Hein, ah, mais je n'ai rien à dire. Non, voilà. Non, parce que je m'y regarde, oh, même si je m'y vois que des yeux. Le regard, on dit long. Voilà, le regard. Richie. Richie, fais un petit coucou à la caméra, s'il te plaît. Oh là là, ah, il veut pas faire coucou à la caméra. On a fait passer ton message, hein. Oui. Tu es beau, de l'hôtel Floralis. Oui, Anna. Si vous voulez.
Voilà, donc ce soir, vous l'avez compris, c'est une émission complètement barjo, ça c'est sûr, voilà. Non, de temps en temps, il faut bien rire un petit peu, donc... C'est pour ça que j'invite à moi, c'est ça. Entre autres. Déjà de base, rien qu'avec Dany, il est bon, on a assez. Ouais, juste lui-même et l'émission est déjà tip-top barjo. Lui-même lui suffit à lui, à lui-même. D'accord, d'accord. Ah, par contre, tout lui, comment se prend le dessus, là, mazo cause en lit, hein. Ouais, désolé, mais ça lit, c'est langazeux, c'est langazeux du sud. Ouais. C'est le langage Vumunduvu. Ah oui, Vumunduvu. Oui, c'est un jour représentatif. C'est ça. Bah oui, on peut ah pas. Ah bah, mamie cause en lui ce soir. Ah bah oui. T'es brouillé à où, Dany? Bah écoute, hein, voilà. Donc du coup, mamie, tu veux justement apprendre un petit peu de clavier, etc. Ouais. Donc au moins, mes gars, fait aussi pas mal de choses. Des créations, par exemple. Ouais, bah écoute. Qu'est-ce qui t'a fait rire, Leslie? Si tu peux conseiller, il y en a des écoles qui forment très bien à ce niveau-là. Non, mais en fait, t'as pas compris. Ouais. Ouais, pas compris. Il veut que c'est où qui apprend lui. Ah, d'accord. Mais en fait, on m'a compris un petit peu. Mais le truc, c'est que si lui attend que c'est moi qui apprends à lui, il ne sait rien apprendre parce que. Ah non, mais. Moi-même, il ne connaît pas grand-chose. Mais on veut te dire à où, déjà, haut de niveau, sera largement suffisant pour lui. Ouais. Ouais, mais il pense. Bon. Laissez... Parce que moi, j'ai avec les pieds, attention. Ouais. Ah, ah bah en plus, bah voilà, c'est parfait pour toi, ça, Dany. J'ai quoi? Avec les pieds? Ouais, avec les pieds. Oui, avec les pieds aussi, il faut bien. Les pieds. Les pieds, les pieds. Bah vite. J'ai attaqué les fins à dos. Voilà, game on time mur. Oh là là. Le thème de l'émission est respecté, hein, Barjo. Oui, c'est ça, c'est ça. Eh bah, en plus, je vous monte un mur et que on est notre gilet jaune, est bien, quoi. Ah, au moins, il voit où? Voilà, au moins il va où, quoi, comment on est mieux. Non, mais là ça va trop loin, là, Dany. Arrête. Pourquoi? Non, mais remettez-y dans place. Oui, allez, c'est parti. Non, parce qu'il faut dire que Leslie a eu une promotion parce que sa vidéo est au top. N'importe quoi, elle est où ma promo? Ah, j'attends toujours. Au mot de grade ce soir. Alors, avis aux téléspectateurs, les téléspectateurs. C'est triste. Voilà. Pour les personnes qui nous regardent ce soir, donc Leslie. A eu une promotion. Elle est directrice de Tropicana Night Live Tour. Oui, tout voilà. À fait. Donc elle a une promotion, un salaire de combien? 3 000 euros. Fouf. Ouais, bah Mona, oui, généreux. Bah oui. Bon, allez, sérieusement, justement, hein, faut pas aller nul, enfin, faut pas aller dans tous les sens d'ailleurs. Et donc les instruments, donc on l'a pris sur le tas, hein, donc, sur le tas. Autodidacte, sur le tas. C'est vraiment, comme Joe, la fibre musicale que est là. Et puis, il essaye de taper les notes, m'y écoute, m'y entend. Puis, il essaye d'assembler ça pour faire une mélodie. Donc, ça s'appelle un oreille musicale. Exactement. Tout à fait. Exactement. Et non un oreille musicale. Parce c'est que pas la créole. Même chose. C'est pas la même chose. Oui, bah, c'est ça, un oreille musicale. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Hein. D'accord. Et où on a, où travaillez avec un studio en particulier, où on a un studio de casse, parce que tout à l'heure, on avait dit que où t'enregistres depuis chez vous, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fin de compte, m'a pu créer mon petit monde à moi à la maison, donc mon petit studio. Un studio pays, hein, on a tout ce qu'il faut pour enregistrer, notamment une même carte son que Onena ici. Et du coup, il permet à moi de faire mes petites maquettes, mes petits enregistrements, voilà, tranquillou. Et j'aimerais bien justement piécer là-dedans, essayer de frapper aux portes des studios, d'un vrai studio, déjà, quelqu'un de neuf qui enregistre à moi, qui dit là c'est bon, là c'est pas bon, et puis voilà, donc, mais sinon, ouais, mieux enregistrer chez moi, principalement. D'accord. Et combien de temps on prend pour enregistrer un morceau, par exemple? Mon Dieu Seigneur, ça c'est la question qui tue. Alors, on a des morceaux. On a des morceaux que les encore sur l'ordinateur, c'est mis rouge à soi. Il date de 5 ans. Ah ouais? On a des morceaux, ouais, en fin de compte, il fait vraiment sur le feeling, sur l'instant présent. Et puis, il ne cherche pas vraiment à écrire pour finir, en fin de compte. C'est vraiment, il vient selon. Des fois, il dort, il pense à un couplet, le lendemain matin, il écrit, le soir, il arrive, il enregistre un couplet, et ce couplet-là, il peut finir la chanson avec ce même couplet-là, 6 mois après. Donc, il n'a pas de temps, en fin de compte. C'est vraiment, voilà. C'est seulement. Mais en fait, ou un pause, pas où, un temps de. Non. Non, pas spécialement. De production, quoi. Non, pas spécialement. Sauf quand des fois des amis viennent à la maison, la nuit ils disent bon, allez, on a un thème, allons essayer de faire une chanson, nous essayons de boucler ça sur 2 ans, justement. Mais il n'est pas évident, il faut vraiment être compositeur, être quelqu'un qu'on a
il y en a dans le stylo quoi, Mojo. Il faut vraiment le gars il texte, et puis il y en a des gars les innés chez eux. Donc moi c'est pas vraiment le cas, comme les autres, Mojo, mais j'aime la musique. Mais pas vraiment artiste, et puis on peut pas être non plus à 100% dedans parce que on a une vie de famille à côté. Et donc du coup voilà, le tout il fait que m'y compose comme ça, tranquillou, et puis voilà quoi. C'est déjà bien. Hein. Voilà. Ah bah ça. Merci. T'es où les gâtés? Où t'es maman? Bah si on te voit à la télé hein. Me montrera pas ça. Non les vrais, sérieusement, on passe là en direct. Non les vrais, mais casse pas les culs, arrête chien. C'est vrai, hein, non, c'est vrai. Bah oui, hein, regarde. Là en live. Richie, là tout le monde te connaît maintenant. Oui. Richie, c'est celui qui met jamais à chaque instant. Qu'on s'est dit. Bravo. Bah bravo les Richie. Voilà. D'accord, donc. Et donc la finance ou de matériel Oui. Bah, à fin de compte, à la base aussi, m'y fait un petit peu d'animation, donc comme elle est DJ pour les soirées, on va dire événementielles, etc. Mmh. Et dès que m'y peut espérer avoir une petite rente d'argent à ce niveau-là, m'y investit dans du matériel. Donc pour moi, c'est une passion que m'y essaye d'amener à bien, dans le sens où m'y investit toujours dans du matériel. Tant que m'y fait de l'animation, c'est pour le matériel. Et puis donc c'est ça que la PMI a moins justement d'acquérir beaucoup du matériel assez conséquent pour pouvoir enregistrer correctement, on va dire. Voilà. D'accord, donc ouais, DJ. Ah ouais, un petit peu ça. Ouais. Bah, il fait un petit peu tout hein. Là il fait pas de leçon hein. D'accord. Et en tant que DJ aussi, l'a pris sur le tas ou sinon DJ pareil sur pareil, le tas sur pareil le tas, et c'est un monde qui est quand même fermé quand même hein, quand on regarde les DJ ou voit un petit peu comment ça tu fais et tout Même comme t'es petit mama, jamais là eu quelqu'un pour dire mais bien essaye machin. Donc m'a toujours dit un jour, comme on a les moyens, m'y achète, m'y fait. Et ben c'est ce que m'a fait, m'a eu les moyens, m'a acheté. Et puis m'a lancé en moi quoi. Et puis il fonctionne super bien. Les personnes sont super contents, tant mieux quoi. En même temps. Oui. Voilà. C'est le but. Exactement. Oui, c'est le but de, justement. Et maintenant, avec la crise Covid, maintenant, il est difficile de faire des soirées. Là, les soirées, c'est toute cette année, toutes les fichus à l'eau. En même temps, 6 personnes, les shows quand même. Ah oui. Ça déplace un matériel, ça fait dans 6 personnes. Si Badaï ne danse pas, yes, ça, il l'a fait. Non, mais les plans, c'est pas possible. Donc, c'est ridicule surtout. C'est ça, enfin, 6 personnes, quoi. Bon, ben après voilà, en espérant que justement donc le côté vraiment événementiel démarre, donc en espérant très très vite. Oui. Voilà. Oui, on croise les doigts pour vous en tout cas. Voilà. Du coup, donc là on fait petit bonhomme de chemin parce que ben voilà, on enregistre donc pas mal, enfin deux sons que nous va en parler ce soir. Ouais. Notamment donc nous va en parler justement le titre Gilet jaune. Ouais. D'accord. Donc le Gilet jaune, quel message je t'ai fait passer justement à travers ce titre? Ben message de pas de colère en soi, mais de révolution. Voilà, un message révoltant, nous révolte à nous. Et reste pas dans le fait noir, créole, lève la main et allons dire ça n'a plus dit en fin de compte, tu vois. Donc c'était ce petit message là que je voulais mettre en avant, et puis en même temps faire une petite chanson qui bouge, qui percute un petit peu dans la tête, et qui voilà, que les on va dire qui passe un petit peu avec son temps en fin de compte, tu vois. Donc voilà, mais le message en soi-même c'est vraiment reste pas dans le fait noir, créole, quoi. Allons révolte à nous, dis ça n'a plus dit en face, et puis voilà. Et le clip a été tourné où ça, et c'est qui l'a fait le clip? Alors le clip a été tourné par un ami, monsieur Lloyd Production, big up à lui. Il a été tourné par lui donc, et puis il a été tourné à la toile des Azalées, c'est-à-dire au rond-point. Ouais. Des, oui, oui. Des Azalées. Avec les personnes qui étaient présentes à ce moment-là, il pense à Jade, il pense à beaucoup d'autres personnes que là m'a pas les noms en tête, mais voilà, on avait beaucoup de personnes que là aide à moi à participer à faire le clip, et du coup gros big up à Zod quoi, c'était cool, c'était un bon petit moment on va dire. Bah oui hein, faut bien hein. En plus là vraiment beaucoup en parlent hein, les. Cette période-là. Et puis je pense que c'était aussi le bon endroit où tourner les clips. Hein. Ouais, bah, c'était pas une mauvaise pioche, on va dire. C'était au centre du sujet, c'était là, et puis ouais. Voilà.
Parce qu'il y a eu pas mal quand même de rassemblements à ce fameux rond-point. C'est ça. On visionne le clip. Oui, bah oui. Et puis on revient juste après. Si Zodena a des messages, 0693 488 996, ça c'est le numéro du standard. Également donc 0692 170 862 pour les messages. Qu'est-ce qu'il y a, les messages, hein. Oui. Les messages. Oui, attends, non, les salades de fruits. Alors. Pas te dire, là où balance le clip, où mange de salade de fruits ou non? Non, alors, non, alors, il faut savoir. Alors, non, il faut savoir qu'il faudra nous faire monter à la télé, que nous les très bien accueillir, en fait. Dans tu veux que je montre? Allez, vas-y. Alors, allez. Moi, je montre quand même ce qu'on m'a déposé, mais avec un grand cœur. Voilà. Voilà. Merci. Et bah. Richie, passe. Merci, Richie. Viens à la caméra, faut pas que tu sois caché. Voilà, voilà, Richie, en tout cas, c'est un très bon ami. Merci, Richie. Voilà, donc le petit salade de fruits, nous l'est très très bien accueilli ce soir. Voilà, merci à l'hôtel Floralis. Oh oui, merci beaucoup. Merci, merci. Voilà. Et super Leslie. Accueil et puis super super bien quoi. Leslie, que sur le manger. Oh. Je vais manger des bouts de glace, chocolat, vanille. Ok, d'accord. On balance le clip et on revient juste après le clip de Gilets jaunes. Toujours pas de réponse du président face à la colère des citoyens. Les violences sont de plus en plus fortes. Couvre-feu de 21h à 6h. Malgré tout ça, les routes resteront bloquées. Les à l'arrivée, moins qu'on est pour la parole. Parce que n'a longtemps Détroit n'est n'a le monopole. Et apparemment, de la Réunion jusqu'à la métropole, beaucoup de personnes n'est pas content n'est n'a ras le bol. Les à l'arrivée, moins qu'on est pour la parole. Parce que n'a longtemps Détroit n'est n'a le monopole. Et apparemment, de la Réunion jusqu'à la métropole, beaucoup de personnes n'est pas content n'est n'a ras le bol. L'augmentation des taxes, on en a marre. L'inflammation du prix de l'essence, on en a marre. Manipulation, conspiration, on en a marre. Jusqu'à ton bulletin de salaire est passé au rasoir. L'augmentation des taxes, on en a marre. L'inflammation du prix de l'essence, on en a marre. Manipulation, conspiration, on en a marre. Jusqu'à ton bulletin de salaire est passé au rasoir. Tu trouves pas bizarre, on nous manifeste. Toute catégorie de monde y manifeste. Dans télé, dans radio, tout y conteste. Si continue comme ça, une troisième guerre va péter. Mais non, contre l'augmentation, contre cette politique qui néglige le peuple, qui les fait exploiter l'humain sous toutes ses formes, avec ses réformes, mais dans les mêmes manifestants. Mais non, contre l'augmentation, contre cette politique qui néglige le peuple, qui les fait exploiter l'humain sous toutes ses formes, avec ses réformes, mais dans les mêmes manifestants. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous des lois mal choisies, seule solution tout bloqué. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous des lois mal choisies, seule solution tout bloqué. Trop d'adversité, de violence dans les cités, information censurée, impossible de circuler. Gilets jaunes, couleurs et messages de détresse. Hommes politiques en face de nous et toujours nos stress. Trop d'adversité, de violence dans les cités, information censurée, impossible de circuler. Gilets jaunes, couleurs et messages de détresse. Hommes politiques en face de nous et toujours nos stress. Mais non, contre l'augmentation, contre cette politique qui néglige le peuple, qui ne fait qu'exploiter l'humain sous toutes ses formes, avec ses réformes, mais dans les mêmes manifestants. Mais non, contre l'augmentation, contre cette politique qui néglige le peuple, qui ne fait qu'exploiter l'humain sous toutes ses formes, avec ses réformes, mais dans les mêmes manifestants. Le à l'arrivée, pour moi, qu'on est pour la parole. Parce que n'a longtemps Détroit n'est n'a le monopole. Et apparemment, de la Réunion jusqu'à la métropole, beaucoup de personnes n'est pas content n'est n'a ras-le-bol. Les à l'arrivée, pour moi, qu'on est pour la parole. Parce que n'a longtemps Détroit n'est n'a le monopole. Et apparemment, de la Réunion jusqu'à la métropole, beaucoup de personnes n'est pas content n'est n'a ras-le-bol. L'augmentation des taxes, on en a marre. L'inflammation du prix de l'essence, on en a marre. Manipulation, conspiration, on en a marre. Jusqu'à ton bulletin de salaire est passé au rasoir. L'augmentation des taxes, on en a marre. L'inflammation du prix de l'essence, on en a marre. Manipulation, conspiration, on en a marre. Jusqu'à ton bulletin de salaire est passé au rasoir. C'est une première à la Réunion. Un couvre-feu a été instauré de 21h à 6h. Toute la population est priée de rester chez eux. Toute la population est priée de rester chez eux. Toute la population est priée de rester chez eux. Créole F.
FM. Écoute Awar. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. Créole FM. Créole FM. Dani, Anaël, Johanna, Leslie, Sonia prennent les commandes sur ta radio, mais également sur ta télé. Lâchez-vous en direct avec Dani et toute son équipe. Allez, de retour sur Créole FM et Télé Créole ce soir avec Leslie. Oui. Ça va toujours, Leslie, ce soir? Ça va. Ça va? Tu peux, ouais. Tu peux faire grand mécal, s'il te plaît? Des bonbons ressort. J'adore. Avec donc l'artiste, bon, on va dire, on dit pas l'artiste, mais avec T-Crim ce soir, alias Joanne Tich. Joanne. Joanne. Voilà, ouais. Ça dit le nom. Mais bon, voilà, on dévoile les coulisses. On dévoile les coulisses quand c'est même. Du direct, c'est du direct, c'est normal. Direct, voilà. C'est avec quoi dans la salade de fruits, la nanny? Alors, mettez pas. Mais clown fini. Peut-être, non? Non, parce que là. Il a mangé du clown. On commence ou là? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Même que pas, mais il commence à croire qu'on avait un truc. Hallucinogène ou je sais pas quoi dans ta salade de fruits. Hein. On l'a vu là, ça fait diamant des conneries là ce soir. Et on dit pas de gros mots. Non, mais t'as dit des conneries. Sinon, je vais mettre un pot là sur la table, d'accord? Quel pot? Et ben, je vais créer un pot, d'accord? Un pot à gros mots. Et à chaque fois que tu vas dire un gros mot, tu vas mettre de l'argent. Et tu te crois où là? Et à la fin de l'année, on va tous s'acheter des cadeaux avec. Comment il dit Annelle? Sauf pour toi. Ou prends au poupiou là. Eh ben, pour une animatrice de l'émission, voilà. Attends, j'essaye d'imiter Annelle. Ou prends au poupiou là. Gay pas. Non, elle est bon. Migay pas. En tout cas, 21h passée de 31 minutes. Et d'ailleurs, Leslie, on va rappeler le jeu pour le dimanche 8 novembre. Oui, le jeu objet mystère, n'est-ce pas, Denis? Oui. Oui, et bien évidemment, il faut jouer hein, à l'objet mystère. Alors, c'est quoi le principe du jeu? Eh bien, il faut tout simplement découvrir quel est l'objet du jour. Et vous pourrez gagner entre 100 et combien, Denis? 2000 euros. Soit ou sinon, c'est le cadeau, enfin le cadeau mis en jeu. Donc, c'est ça. Le cadeau mis en jeu, c'est 2 nuits d'hôtel. Oui, aussi. Voilà. Donc, nous ne dira pas l'hôtel pour l'instant. Non, mais, pour l'instant, mais bon, ne soyez pas pressés. On vous dévoilera tout ça très bientôt. Voilà, donc le principe du jeu d'ailleurs, Leslie, c'est quoi? Eh bien, comment ça, c'est quoi? Ah, tu veux que j'explique tout le concept du jeu? Oui, d'ailleurs. Eh bien, il y aura quelqu'un qui sera tiré au sort et qui sera appelé en direct depuis notre plateau télé. D'accord? Donc, le dimanche 8 novembre. Donc cette personne aura 20 secondes pour poser toutes les questions qu'il veut à Dani pour avoir le maximum d'indices possible. Au bout des 20 secondes, Dani lui demandera est-ce que vous savez quel est l'objet mystère du jour? Et si la personne trouve la réponse, alors il remporte le gain. Et s'il ne trouve pas la réponse, eh bien, bah, tant pis, hein, il va falloir retenter sa chance, quoi. Voilà, donc si ça tu veux jouer, il faut envoyer mystère par SMS au 80-90. Mystère par SMS au 80-90. Et pour les personnes du côté de la métropole d'ailleurs, donc ça tu envoies secret par SMS au 7-14-15. Secret par SMS au 7-14-15 en tout cas. Donc, et si ça, tu donnes l'objet de la précédente émission plus l'objet du jour, donc je t'y repars avec 2 nuits d'hôtel. Si ça, tu donnes juste donc l'objet du jour, je t'y repars avec 1 séjour, tout simplement. Voilà, donc c'est le cadeau. Voilà, donc c'est le cadeau du moment, en tout cas. Bah, c'est un très beau cadeau. Voilà, et ne fais pas comme. Justement, donc la personne tirée au sort lors de la dernière émission d'ailleurs, donc sur le plateau télé. Oui, parce que quand Dani vous pose la question en vous demandant est-ce que vous savez quel est l'objet du jour, quel est l'objet mystère, ne dites pas je ne sais pas et après vous donnez une réponse. Non. Voilà. Je sais que ça peut être un réflexe hein, de dire ben non, je ne connais pas. Mais non, prenez le temps juste de réfléchir une microseconde et donnez votre réponse parce que la dernière fois la personne. Oui. C'était dommage parce qu'il avait la bonne réponse, mais sa première réponse a été je ne sais pas. Voilà, et il a trouvé en fait le. Et il avait trouvé l'objet du jour. Voilà, donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc voilà.
Tentez votre chance. C'est sûr. Voilà, donc mystère par SMS ou 80-90 pour les personnes donc résidant à La Réunion. Ou sinon, sur le 7-14-15, tiens, on va secret par SMS au 7-14-15 pour des personnes du côté de la métropole. De retour avec justement donc l'invité de ce soir, donc T-Crim. Yes. Du coup, quels sont les retours, enfin, quel retour, Nena, justement, avec cette chanson de Gilets jaunes? Ben, les retours, les plutôt positifs, à savoir, ben, toutes les personnes que l'a écouté, là, c'est super, le message est super bien passé, la chanson, les prenante, il envoie bien, et puis, voilà, quoi, continue, à quand la prochaine chanson? Voilà, donc, pour moi, déjà, si on a ça, comme commentaire, ben, il motive à moi, il me trouve que c'est déjà des bons retours. Voilà. D'accord, donc, bah, on a eu pas mal de bons retours sur cette chanson, d'ailleurs. Ouais. Que nous n'a pu visualiser justement donc à l'instant sur la télé, également écouté en radio. Ouais. Donc voilà. Et on a fait une chanson d'ailleurs sur l'île touristique. Ouais, l'île de la Réunion en général. Voilà. Et parce que c'est une île touristique. Parce que quand on est en France, quand l'Afrique te touche, et ben on vient dans une île touristique. Même si c'est un moustique. Même si c'est un moustique. Ah ben ça, écoute, hein, c'est un moustique. Et c'est un moustique côté Volba. Ah bah oui, Saint-Jou, il finit nous voir Saint-Jou sans moustique ou depuis ah quand mais ça va, les rats mais ça Saint-Jou alors. les rats. Déjà où ça va une fois par mois. Hein. Ah bah occupe-moi bien en tout cas. En même temps. Ah bah oui. Pas trop le choix. Pour les personnes qui nous appellent actuellement sur le 06 92 170 862, il faut appeler si tu veux passer en direct. 06 93 488 996. 06 93 488 996. Ça c'est le numéro voilà donc du standard si tu veux passer en direct à la radio et à la télé également. Voilà, donc appelle pas sur le 170 862, mais il répondra pas. non, bah oui, parce qu'on a tout le monde qui appelle. Donc non, mais il me précise toujours. Du coup, donc l'île touristique, est-ce que n'a pas fait de clip là-dessus? Non, malheureusement, c'est vraiment, vraiment un grand regret. Et puis, de toute façon, on n'est pas trop tard pour bien faire. Mais ouais, c'est une chanson sur laquelle on aurait aimé faire vraiment un clip. Et avec là, pour le coup, des personnes, on va dire, assez professionnelles, voire carrément professionnelles, pour pouvoir mettre en avant justement ce que les dit dans la chanson, valoriser les paroles, parce qu'on a quand même des paroles que les pas trop mal du tout dedans. Oui. Et mettre vraiment en image les paroles, mais pas si dit, mais vidéo, voilà, mettre des images à travers les paroles pour que ils percutent encore davantage, parce que la chanson, pour moi, je trouve que c'est bien à écouter. Nous sommes un petit coup sur le standard d'ailleurs. Allô. Oui, allô. Oui, bonsoir. Et bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Je vais me poser une question à T-Crim. Oui. Oui, bonsoir. Oui, c'est Bianca. Oui, comment il est, monsieur Bianca? Bah, tranquillement bien. Alors, donc, moi, je voulais juste poser une petite question. Est-ce que vous serez amené à faire justement un clip sur l'île touristique? Ben, écoute, très bonne question. Théoriquement, on m'a envie de dire oui. Maintenant, elle n'est pas encore dans la programmation. En fin de compte, elle n'est pas encore prévue immédiatement. Mais oui, m'y aimerait bien. Maintenant, justement, s'il y a des bons amis comme vous, ils aident à moi financièrement à produire ça, ben, ce serait avec plaisir. Non, mais plaisante, mais oui, en fin de compte, me serait en vie. Mais voilà, elle n'est pas encore... pas encore d'actualité, on va dire. Mais d'accord, ça. Est-ce qu'il manquerait à vous pour pouvoir faire le clip, pour pouvoir après poster tout ça, pour pouvoir après augmenter les chances de booster votre carrière en fait? Ouais, quoi il manquerait à moins? Ben, il manquerait à moins des bons contacts avec qui m'y collaborerait de manière à ce que, voilà. Pas forcément l'aspect financier en premier, mais de toute façon, il va falloir débosser à un moment donné. Il n'y a pas de souci, mais voilà, des bons contacts avec des personnes motivées qui souhaitent justement mettre en avant des petits artistes comme moi, là, si on me redit artiste. des petits passionnés. Des petits passionnés comme moi pour que justement ils mettent la Réunion en l'air. Voilà, donc collaboration avec des personnes motivées puis qui trouvent qu'il en vaut la peine, quoi. D'accord, ok. Donc, ouais. Moi, mes steps pour que, on va rencontrer quand même pas mal de monde par rapport à l'émission que je suis en train de faire à soir. Ouais. Et que, par la suite, on aura vraiment un peu de contact
pour pouvoir amener à bien bon projet. Ouais. Et ben, surtout super. Un petit big up ben voilà en passant à Original Roots du tambour. Yes, hein. Bien sûr, petit groupe reggae roots reggae. Donc Original Roots bien sûr, voilà. Mais si en tout cas c'est encourageant ce que tu me dis, ça fait hyper plaisir. Et ben, j'espère que ils tombent pas dans les oreilles des sourds, on va dire, des sourds. Et voilà, que les personnes que vraiment ont envie de ben, mettre un petit peu la Réunion en l'air, mais pas tant, hein, l'île touristique, vous connaissez de toute façon. Hein. Bon, en tout cas, ben, moi, j'espère que pour vous, ben, avec tous ces médias qui sont là en ce moment, ouais. Ben, que vous va percer un petit peu parce que bon ben au mérite et que ouais. Ben comme il dit ou à partir de très bas ouais. Et vous savez monter gravir les marches d'escalier pour pouvoir arriver au sommet, ben c'est moins ce que mes souhaits à haut pour pouvoir avancer et puis mettre la Réunion en l'air aussi quoi. Yes, ben fait super plaisir mon pote direct. Donc, c'est gros big up, okay, ben, gros big up, merci. Ok, ben je vais laisser un petit peu l'antenne pour les autres et puis ben de toute façon moi je suis en train de suivre ici également de chez moi. Donc bah, après, bah, écoutez, bah, big up et puis bah, continue comme ça, même tu crèmes. Yes, merci, monsieur Bianca. Bianca 974-130 okay. Représente. Merci en tout cas de l'appel. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Ciao, bye bye. Allez, ciao, bye bye. Apparemment, on a un double appel sur le. Ouais, alors est-ce que. Alors rappel à nous quand même sur le 06-93-488-996. 06-93-488-996 également donc via les textos si Zot il veut texter. 06-192-170-862. 06-92-170-862. On va s'écouter d'ailleurs donc la chanson donc L'île touristique. Yes. D'accord, mais elle a un point de clip, mais nous va écouter justement en audio et nous revient juste après. Les bons. Yes, ça, il y a tout à l'heure. Attends, ah bah, Nova. Nova va mettre la chanson et Nova va en revenir sur le standard juste après. Okay. Non, elle est beau, allez, tout de suite. L'upset Catman, ce sera ta prochaine destination. Et ce sera bienvenue à toi, welcome. Yeah. We shine, straight out of downstairs. Ouais, ici nous n'est dans ça que nous veut. Ouais, ici c'est notre paradis. Ouais, il faut pas rouler en vieux. Ouais, car ici on apprécie. Ouais, ici nous n'est dans ça que nous veut. Ouais, ici c'est notre paradis. Ouais, il faut pas rouler en vieux. Ouais, car ici on apprécie. Welcome sur mon île touristique. Ta destination c'est l'île des moustiques. T'inquiète, il n'y a pas de panique. Prépare ta valise et ton ancien moustique. Car ici il fait chaud et en plus il fait beau. Sous les cocotiers, sous les villas hauts. Bien glacé, dans la main la dodo. Le sable est noir et les filles en maillot. Sous le monde si et très affluent. Nous notre sourire, il n'est pas payant. Notre culture, elle est remixée. Autrement dit, on nous appelle les rayonnés. Ce n'est pas la peine de te poser de questions. Si tu veux t'éclater, viens à la Réunion. Tout ce que tu veux, il suffit de demander. Les bois, la plage et le soleil vont bronzer. Si t'as trop chaud, tu peux aller dans les hauts. Dans nos montagnes protégées par l'UNESCO. Tu prendras l'air, tu pourras bien respirer. Ça va te faire, t'auras envie d'y retourner. Pas trop vite, faut prendre le temps de contempler. Car dans notre île, tout est magnifique. Tu pourras rouler, même te balader. Découvrir le cœur de la Réunion et sa beauté. En passant, certainement par le biton des neiges. Découvrir chaque année l'éruption de la fournaise. Ses rivières, ses cirques, ainsi que ses remparts. Des paysages uniques où tu n'en vas nulle part. Ces endroits sont magiques, on peut même y pique-niquer. Avec la famille, les amis, ok. Faut faire attention de ne pas la polluer. Car notre Réunion est belle et on veut la préserver. Ah, préserve la nature, man. Ouais. Faut pas la polluer, non. Au contraire. Arrose-la, fais la pousser. La grande chasse et la nature, ça même ça. Ça va, hein. Tu crimes, écoute, tiens, je suis là. Ouais, ici nous n'est ça que nous veut. Ouais, ici c'est notre paradis. Ouais, il faut pas couler en vieux. Ouais, car ici on apprécie. Ouais, ici nous n'est ça que nous veut. Ouais, ici c'est notre paradis. Ouais, il faut pas couler en vieux. Ouais, car ici on apprécie mal. On apprécie tout, et même la ganja. Et notre spécialité, c'est de foutre le paya. Ici on passe partout, dans n'importe quel endroit. Ici les biens appelés, et on est comme des rois. Tout ça, il faut venir ici, où ça. Sur notre île touristique, pourquoi. Pour te remonter le moral, à travers les sorties, les vies et nos fleurs tropicales. Je ne fais pas de pub, non je ne suis pas payé. Moi ma seule pub, c'est la vérité. Une fois venu, repartir c'est regretter. Et ton seul but devient celui d'y retourner. Et pour tout ça, il faut venir ici,
tout ça sur notre île touristique. Pourquoi? Pour te remonter le moral à travers les sorties, les filles et le faire ton vicane. Mais pour tout ça, il faut venir ici. Où ça? Sur notre île touristique. Pourquoi? Pour te remonter le moral à travers les sorties, les filles et le faire ton vicane. On a bien dit, il faut venir ici. Pourquoi? Parce que ici on apprécie. On t'a bien dit, il faut venir ici. Parce que notre île, ouais, elle est trop jolie. C'est... Créole FM. Créole FM. Écoute Awa. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. Créole FM. Créole FM. Dani, Anaël, Johanna, Leslie, Sonia prennent les commandes sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, de retour en tout cas sur Créole FM et Télé Créole, justement avec Leslie est passé l'instant, mais Nenara, un petit crime avec nous donc ce soir. Yes, ça, et comment il est? L'artiste de ce soir. Bon, l'artiste passionné quand même de musique. Ouais. Nous savons un petit coup sur le standard de l'émission d'ailleurs. Suspense. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, nous les en direct. Comment ça va, mon gars? Allô, comment il est? C'est qui? Ah, c'est bon, je sais c'est qui. Yes, aïe. Comment il est, monsieur Yannick? Ah, mon gars, juste pour te dire qu'on est tous sûrs de toi ici. Hein. Ah, ouais. Ah, là, c'est bon. C'est bon qu'il est passé à la télé. Au top. Yes, aïe. Big up, ça fait plaisir. Et il faut que tu continues. Il faut persévérer. C'est comme ça qu'on y arrive. C'est sûr, ben merci en tout cas, il fait plaisir, message de soutien, la famille, big up, et puis ben ouais, il fait hyper plaisir. Sinon, un petit peu de temps là-bas, comment il est, la frie, il en guette quoi ça? Ah oui, là il fait froid, là c'est la limite la neige dehors. D'accord, il fait trop froid, donc c'est pour ça, mets-nous un petit peu de soleil là, un petit peu. Ouais, c'est vous ça dans la balance l'île touristique. Nous, de notre côté, on est trop fiers de toi, mec. Super, fait plaisir. Ouais, en tout cas, on embrasse toute la famille, puis gros big up à Zot, merci d'avoir appelé, c'est super. Et j'espère que l'île touristique, la fait à Zot un petit peu chaud au cœur, et puis qu'elle rapporte un peu de soleil chez Zot en France. Ah oui, ça t'inquiète pas. Voilà, gros big up, et je te laisse faire ton édition tranquille. Yes, et bisous à toute la famille. Hein. Tout le monde qui me reconnaît, big up à toute la famille Grondin, on soutient. Yes, aïe, merci, gros big up à toi. Aïe. Yes. Allez, big up. Allez, merci en tout cas. Allez, ciao, bye bye. Allez, 21h47 en tout cas, si tu veux appeler Daniel Ligne Droite en tout cas, pour ce soir jusqu'à 22h sur Télé Créole et Créole FM. D'ailleurs, en tout cas, on a des personnes qui soutiennent. Apparemment, il fait plaisir. Il fait chaud au cœur, quoi. C'est bien. Leslie. Oui. Ah, mais il fait esprit en fait de Takinao. Alors, est-ce que tu as entendu le son de l'île touristique? Alors, j'ai pas pu tout entendre. Oui. Mais c'est pas grave, je réécouterai de toute façon. Dans un instant, s'il veut bien, il va faire un petit a cappella pour nous. En plus. Hein? Dans un instant, juste pour terminer l'émission tranquillement, voilà, yes. Ce soir. Voilà. Et justement, nous parler un petit peu de mon projet, de mon projet d'ailleurs, donc pour l'année prochaine, on va dire, parce que là, il arrive fin d'année, mais que passe une année des projets là pour. Déjà, terminer ce qu'on avait commencé, à savoir pas mal de chansons, non, mais plaisante. Alors, oui, on a des projets, on a des maquettes en production. Et du coup, le truc, ça serait de continuer tout ça. Et puis, pourquoi pas l'année prochaine, relancer un clip pour que il continue dans le monde de la musique bien lancé, quoi. Mis en PMMO, c'est-à-dire, le projet, c'est de relancer un clip, en fin de compte, concrètement. Voilà. D'accord, donc un clip, justement, donc. Qu'on vient, donc nous peut être figurant aussi dans le clip. Hein. Bien sûr, ça tu peux être invité, ça tu re-invites à moi pour représenter le nouveau clip. Et puis ça tu. On n'a pas compris en fait le message subtil de Dani. Il veut être tout dans le clip. En fait, il veut tout dans le clip. Et d'accord. Seulement s'il est tout dans le clip, il re-invite à où?
Ah, d'accord, d'accord. Non, alors, okay. Sinon, ça m'existe un petit billet sous la table, là, un petit billet sous la table. Ouais, évidemment. Non, j'adore, parce qu'en fait, non, parce que dans l'équipe, on a des chanteuses. Donc, quand Leslie, quand il fait la fait clip, donc là, j'aime évidemment, Anaël, pareil. Donc voilà, mais il profite, mais fait ça va. Pitié seulement. Oui, bah oui, il fait pitié. Donc, c'est pour ça qu'il me propose mon service, justement, figurant. À la limite, on peut faire un clip, Leslie, avec l'autre chanteuse et moi. Et après nous disons, viens, parce que fait 3 ans en heure. Voilà. Que mettez ça à propos, c'est quand le featuring justement Leslie et T-Crim. Tout est possible. Ouais. Alors en fait, on connaît tous les anticipations ici, mais ça fait un projet fit. Artistique. Allez, Willy. Va finir avoir l'habitude maintenant. Ouais, mais il s'est connecté, mais finalement. Mais à moi, comment il dit une chanson, il dit, mais il est pas à temps pour toutes. En fin de compte, musicalement ou les pas fait aimer, en fin de compte, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. C'est ça. Ouais, un petit peu tout le monde, enfin, moi aussi, m'y pense comme ça, c'est-à-dire musicalement, faut vraiment, voilà, où les ouvert. Non, mais il faut rester ouvert d'esprit, ouais, sincèrement. Sûr, hein. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Exactement. Ah, bonne raison, hein. Donc, moi aussi, bientôt, mais c'est artiste, donc il faut mais bien. Mais oui, Dani, pépété. Le prochain single, CD, c'est beaucoup en l'an. Bah, en fait, là, on met ça par la main Grand Crime et. Ouais. Ça va, c'est le standard. Par contre, vite à nous dans le clip. Ça va, c'est le standard. Allô? Yes, yes, yes. Bah, moi, c'est Vince Gall, donc un gros big up à T-Crim, hein, l'île touristique. Franchement, parfait, il fait voyage à nous. Yes. Et bah, big up, là, nous suivons à l'imam. Et du coup, bah, bonne continuation dans ce que fait le T-Crim en question. Ouais. Et ben comme dit Anima, hein, il s'en met ça haut et continue de mettre ça haut. Yes. Merci, il fait plaisir, monsieur Vinzial. Original big Route up représente. Au big up à haut, yes, yes. Ah, big up. Et fait plaisir. Continue comme ça, continue fort. Et franchement, respect. M'espère que m'y fait plaisir quand même. M'y fait plaisir à Zod, m'y fait plaisir une bonne connaissance, une bonne camarade. Ben voilà, ben, c'est plaisir à moi de. Ah, écoute le son. Comment tu dis ça L'île touristique. Hein, parce que n'allons ouais. Tant que tu écoutes Aïe, ben, on n'a pas besoin de télé dans le radio, c'est bon, hein. Ah bon. Ok, ben m'espère ben, le clip prochainement, peut-être alors, espérons-le. Ben oui, ben, en parlant de clip, ben oui, ben, peut-être bien prochainement, mais attendre ça, nous. Ben, c'est plaisir, cool. Même. Ok, bon en tout cas c'est super d'avoir appelé, il motive à moi et puis dans moi la force comme dit yes, Banna pour avancer. Yes, elle est bon ça, les bonnes possibilités dans ce qui sont quoi. Ça roule, merci beaucoup Vinzial, la mettre ça. Yes, aïe. Allez, bon allez merci, bonne très bonne soirée. Merci, bonne soirée merci, à toi. Merci, bye. Allez, ciao, bye bye. Yes. Oui, donc côté pour dire quoi. Bon en tout cas, Leslie. Ben moi je trouve ça chouette hein, parce que il a quand même beaucoup d'appels, beaucoup de soutien quand même de la part des gens qui le suivent, qui l'écoutent, qui l'entourent. Donc, ma grande surprise. Donc c'est cool quoi. C'est ça. Et pour les personnes qui nous appellent actuellement sur le 170-862, il faut basculer sur le 06-93-488-996, c'est une personne de la métropole, donc si on regarde à nous ce soir, hein, donc si vous voulez appeler en direct, il reste pas beaucoup de temps. 06-93-488-996 pour les appels, voilà, donc si ça tu veux passer en direct. Du coup, on peut retrouver également sur les réseaux sociaux. Ben, on va dire, on a pas une page officielle en tant que T-Crim, hein, où m'y balance tous mes sons ou quoi. En revanche, bon, maintenant mon nom personnel que m'y va éviter de diffuser pour des raisons de voilà, m'y veut pas non plus que être que il mélange. Voilà, non mais c'est même pas ça, c'est que m'y veut pas mélanger côté musique et côté familial, ou voilà, c'est deux mondes différents. Et du coup, non. Mais, mais il va falloir créer un compte alors. Exactement, c'est ce que m'entraîne dire moi-même. Il va falloir créer un compte. Et ben, donc du coup, ben quand sera créé, on va partager les liens. Ben, à mon avis, ce sera T-Crim, hein, T-Crim 974. Voilà. Après, sinon sur YouTube, tu peux retrouver à moi. Gilets jaunes, T-Crim Gilets jaunes. Éventuellement avec mon cousin l'a mis sur YouTube une chanson justement de l'île touristique. Et lui il a mettre ça sur sa page à lui. Donc c'est Dylan 974, DYLA2N 974. Et là vous avez toute la panoplie de allez 3 ou 4 titres que elle a enregistré, comme elle a fait, et que tu peux retrouver sur YouTube tout simplement. Donc on peut retrouver donc les chansons que nous a pu écouter ce soir donc sur YouTube. Mmh. C'est un petit coup de cœur quand même, donc ouais. Voilà. Ah oui, faut pas hésiter. Faut ouais. Pas hésiter quand partage même. Partage au max, il ferait plaisir, un petit pouce bleu et laisse d'autres commenter quoi, ce serait super. Voilà. Cette première interview radio et télé. Oui.
Oui. Beaucoup. Non, parce que du coup, on remercie quand même, parce que c'est Angel et Jimmy que la donne à moi ce contact-là, donc l'artiste de ce soir. Ouais. Donc T-Crim, bon, l'artiste maintenant. Ouais. On connaît la fin. Alors, on fait un coucou quand même à Angel, donc la voix off de l'émission d'ailleurs, et Jimmy de passage. Coucou. Donc, ouais. Merci à eux, gros big up à eux aussi, parce que bah, sans eux, finalement, on n'aurait pas été là ce soir. Donc, merci à eux, effectivement. Voilà. Ça fait quand même un bon moment, hein, donc, vu que l'hôtel, justement, donc là, par rapport à la crise, donc, il était fermé pendant un bon moment. Et bah, justement, donc, ce soir, donc, bah, voilà, ce soir, on a démarré à l'hôtel. Voilà. Donc, voilà, 21h54, est-ce qu'on a un petit message à passer Bah ouais, allez, de toute façon, on a toujours un message à vous dire. Moi, c'est un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent à moi. Les personnes que là appellent à moi, na Yannick, na Bianca, Vinzial, toute la famille qui derrière et encourage à moi, les personnes que là en France, un gros big up aussi à ma petite femme chérie que les à côté qui garde à moi avec le même petit cœur. Donc du coup, parce qu'elle soutient moi énormément dans ce que m'y fait. Puis voilà quoi, merci pour votre soutien. Et puis ben justement, c'est ça notre force pour nous avancer, pour nous mettre notre gardien en l'air en fin de compte. C'est votre commentaire positif ou même négatif, si on peut y dire, dans le sens où ben voilà, pour essayer d'améliorer tout ça, pour aller de l'avant et mettre la Réunion en l'air. Sans donner fait noir créole, et c'est ce que Mi fait passer comme message aussi, tu vois. Donc merci pour tout le monde, merci pour tout ça, merci à tout le monde. Et voilà quoi, c'était mon petit message. Et puis ben, et merci à vous aussi, hein, Leslie et Dani, d'avoir accueilli moi ce soir. Il n'y a pas de souci. Bien logé chez Dani, apparemment, hein, avec sa grande piscine à côté. Hein, ah ben, faut pas dire tout. Vival, il y a quand même les, en tout cas de rien, Vival, il y a quand même les commentaires sur le Facebook de Télécréole d'ailleurs. Donc, Patricia Gondin qui dit gros bisous à toute la famille. Yann Hergé qui dit big up, Joanne, yes, trop fier de toi. Le petit clip, il passe à la télé. Yaya. donc, Nena Patricia qui dit cool ton clip. Voilà. Yes. Donc, merci, Patricia. Voilà, merci. Donc en tout cas pour les personnes qui regardent justement, bah, n'hésite pas, hein, donc n'hésite pas à regarder donc le clip d'ailleurs, donc et puis donc peut-être l'île touristique, la partie clip d'ailleurs qu'ils l'année ont prochaine. L'année prochaine. Croisez les doigts. Voilà. En tout cas, T-Crim nous finit en acapella avec vous dans un instant pour la fin de l'émission. Leslie nous rappelle quand même le jeu Objet Mystère avant de vraiment terminer l'émission, parce que du coup nous va retrouver à nous le 4, donc le mercredi 4 d'ailleurs. Oui, on se retrouve mercredi 4. Donc, une semaine de pause, on va dire. Hein. La semaine prochaine, pas d'émission. Oui, bah oui. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On nous retrouve à Zod le 4, donc depuis chez nous, et le 8 au plateau télé. Au studio, voilà. Studio. C'est ça. Donc, l'objet mystère rapidement, Leslie. Ben, objet mystère, tu veux que je dise comment ça fonctionne encore une fois? Non, ben sinon, envoie mystère par SMS au 80-90. Ça sera plus simple. Ah non, parce que s'il faut que dire tout, là... Non, parce qu'il est l'heure de se quitter, 21h57. Ben oui. Voilà. T-Crim, merci en tout cas, on nous finit avec vous. Yes, alors un petit message en fin de compte, tu vois, c'est une petite affaire, un petit passage vite fait qui va pas durer beaucoup de temps. Alors, les affaires, il fait un instant, ma raconte à certaines histoires. Mais n'a point des trois commandes. Maman est tranquille, milite pour la paix. Mais si où rôde la guerre, où va trouver? Qu'il tire rayonné dans les veines. Mélange nation, m'écrase mon cabaret. Juge pas l'oiseau par son plumage. Nous de bonnes ancêtres l'a dit ça, où connaît? Bao! Bientôt de débarque. Bah, en tout cas, merci. Et restez connectés. Restez bien merci connectés. En tout cas, nous l'étions en direct de l'hôtel Le Fleuralis. Merci en tout cas pour l'accueil. Merci. Pour ce soir. Et nous retrouve le mercredi 4 novembre. Bisous. À bientôt. Salut. Nous de case. Allez, ciao, bye bye. Merci en tout cas, François, pour la télé. Merci, ciao, bye bye.